Bonjour Isabelle. Bonjour Marina. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma grande tante, Lucette. Oh, toutes mes condoléances, je suis désolée. Vous étiez très proche? Non, non, on se voyait jamais. C'était la sœur aînée de ma grand-mère, en fait. Et elle était très âgée? 89 ans. Et elle avait quoi? Pas rien, justement, rien. Une table bancale, trois chaises dépareillées et un lit. Rien, quoi. Je les boules. Y a, Lorraine, ça va pas? Mais non, mais c'est rien, c'est mon mec. C'est celui de la semaine dernière? Ouais, mais je comprends pas, tout se passait bien, tu vois. On était super in love. On avait même pris un petit déj ensemble le matin. Mais quoi, alors tu lui as parlé mariage et enfant? Mais non, je te jure, j'ai fait super attention. Ah, le salaud, il m'a largué par texto. C'était bien, mais vaut mieux qu'on s'arrête là. Oh, l'enfoiré! Je crois que c'est lui. C'était un malentendu. Oh, il est trop mignon. Je le savais. En fait, le texto, c'était pas pour moi. C'était pour une autre fille. Vidal, encore une copie blanche? Bah oui, madame. Comme la dernière fois. C'est possible. Et la fois d'avant aussi. C'est probable. Dites-moi, Benjamin, vous avez déjà une petite pensée pour notre environnement? Bien sûr, madame. Très bien, donc à partir de maintenant, vous ne mettrez ni votre nom, ni la date. Ça nous épargnera un arbre. D'accord. Pas sûr que... Ah, monsieur Mariani. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. Comment vont les enfants, Théo, Mathilde? Bien, enfin, ils vont bien, enfin, je crois. Parfait. Bien, dites-moi, je voulais vous demander... Oui? Pourquoi vous ne nous rejoignez pas? Vous rejoindre? Oui, pour vous battre à nos côtés, agir ensemble. On a besoin de gens comme vous. Excusez-moi, mais qui ça on, là, je... Et les parents d'élèves, enfin, l'association des parents d'élèves. Ah, il y a une association des parents d'élèves, d'accord. Non, je savais pas, c'est très amusant. Ah bah, ça fait plaisir. Et vous ne saviez pas non plus, naturellement, que j'en étais le président? Ah bah, non, forcément, puisque j'ignorais que... Enfin, vous servez à quoi exactement? C'est quoi le... Alors, nous avons un rôle fondamental. Oui. De rempart, de garde-fou, de moteur. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais à votre épouse, qu'il a parfaitement compris et... Mon ex-femme était ici? Bah oui, à la sortie, elle attendait les enfants, pourquoi? Donc, ce que je vous disais, c'est que notre rôle... Ah, j'ai dû me courir encore deux semaines, là. Oh, c'est fou, je... Bon, bah, à bientôt, monsieur... Bah, tu peux prêter la colle à Claire. Tu lui prêtes. Bonjour. Bonjour, madame Desmoulins. Je viens récupérer le plat de mon gâteau. Ah. Non, parce qu'en fait, ça fait 15 jours que Laura oublie de le ramener, alors... Oui, merci beaucoup, d'ailleurs. Hein. Les enfants ont adoré. C'est vrai? C'est une recette d'une vieille copine anglaise. Quand même, on dit le pudding, mais franchement, quand c'est réussi, c'est très bon. Oui. Quand c'est réussi. Est-ce que je peux vous le garder encore un petit peu? Vous voulez garder mon plat? Non, je voudrais garder le plat et le gâteau, surtout. Parce qu'en fait, on est en plein atelier bois et votre gâteau s'est avéré très utile pour le ponçage. Celle-là est bien, mais l'autre est vraiment moche, tu vois. Non, je trouve bien. Bonjour, monsieur Fernandez. Faire un reportage? Bah, en quelque sorte, ouais, enfin, on prend juste des photos avec les profs qu'on aime bien. Bah, c'est sympa, ça fait des souvenirs. Bah, c'est ce qu'on s'est dit. D'ailleurs, vous accepterez de poser avec nous? Ah, bah, avec plaisir, les garçons. Ah, bah, vous êtes cool, et puis en plus, avec les ballons, ça fait classe, hein. Vous avez demandé à Jafar aussi? Ah, non, on fait que les profs sympas. Alors, ouais. Vous regardez bien l'objectif et vous bougez pas. Comme ça, alors? Allez. Bougez pas. Alors, on prend la pause, par contre, hein. Le sourire naturel, on en a qu'une. Allez. Deux. Cheese. Ah, parfait. Merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas. Hein. Ah bah de rien les gars, ça me fait plaisir. Hein. Allez, hey, vous pouvez la mettre sur internet, hein, pas de soucis. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas possible. Bonjour, c'est Mariani. Bonjour. Dites-moi, vous qui êtes gynéco, je peux vous poser une petite question? Oui, c'est pour votre femme? Non, 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 c'est pour mon fils. Parce que il commence à fréquenter les filles, ouais. Et vu que nous, dans la famille, bah, on perd pas de temps, je me disais qu'il y avait des choses qu'il devait savoir, quoi. Vous parlez de sexualité? Oui, c'est ça. Mais bon, moi, dès que j'aborde le sujet,
il se ferme. Alors je me disais que ce serait peut-être plus facile pour lui d'en parler avec un médecin, un professionnel, enfin, vous quoi. Bah écoutez, on commencera par les moyens de contraception, le préservatif, ton enchaînera doucement sur les... Non, ça sert à rien tout ça. Non, ce qu'il faudrait, c'est lui causer anatomie, les petits trucs, les astuces, quoi. Ah. Le point G, oui, hein. Enfin, si ça existe vraiment, hein. Bien sûr, non, le grand mystère du plaisir féminin. Est-ce que c'est pas du chiquet tout ça? Vous savez, le chemin de la connaissance est escarpé, mais la récompense est merveilleuse, hein. Non, mais sans blague, là, le point G. Oui, le point G. Oui. Est-ce que c'est un mythe ou pas? Vous savez, les femmes sont comme des flocons de neige, uniques mais semblables. Elles sont là et... Mais tu commences à me courir avec tes énigmes, là. Je te demande si le point G, il existe, oui ou merde. C'est pas compliqué de répondre, bordel. Hein? C'est important. Non, désolé, parce que c'est pour mon fils, bien sûr. Oui, c'est pour votre fils, ouais. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Je suis un petit peu emporté, là, parce que c'est... Un petit peu, oui. Vous savez que parmi tous ceux qui étaient... Vous savez que parmi tous ceux qui étaient en 5ème avec moi et qui sont allés jusqu'au bac... Oh, oh! Ça tourne. Oh non. Allez.